Le numérique va véritablement être intéressant quand il va intégrer tout ce que ces nouvelles technologies permettent pour faire des créations Ouais. artistiques, intellectuelles, Ouais. à part entière, Oui, qui donc on seront la pense. convergence de tout ce que ces nouvelles technologies permettent. Ouais. Donc on pense bien sûr aux aspects multimédia, Exactement, des oui. apports de contenu. Oui. Est-ce que vous y réfléchissez aussi là chez Arlequin d'ajouter des contenus multimédia, par exemple sur des livres numériques à plus forte valeur ajoutée, on va dire? Oui et non, bien sûr, parce Ouais. que ça fait partie de l'univers des possibles, donc Ouais. pourquoi pas. Ouais. Après, c'est quand même très éloigné du coup de notre modèle Ouais, c'est économique, ça, ouais. parce qu'on n'est pas vraiment sur la valeur Oui, ajoutée, justement, ouais. puisqu'on cherche à avoir un produit accessible au plus grand nombre, au meilleur prix. Ouais. C'est plus la même chose. Voilà, Ouais. c'est effectivement, c'est Et du un côté autre des produit, auteurs, oui. vous qui êtes bien familier avec l'univers du polar, est-ce que vous sentez une appétence des auteurs du côté du multimédia avec de l'apport de la photo, Alors, de la vidéo je C'est un vais. univers très, très riche, très. Pour revenir juste avant d'essayer de Ouais. répondre à cette question, à ce que nous disions juste avant, économiquement, le numérique, pour l'instant, n'est pas dans une situation très confortable à partir du moment où il va devoir effectivement ne pas être en reprise dématérialisée de ce qui existait déjà. Ouais. C'est-à-dire que le coût de conceptualisation, de fabrication technologique qui amènera à des objets, à des livres ou à des produits bien spécifiques liés à ces nouvelles technologies sera très 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 lourd Ouais, bien sûr. pour une rentabilité qui à ce jour n'est absolument pas Ouais. assurée. Pour moi, le numérique est chez les éditeurs peut-être traditionnels, chez les éditeurs qui seront spécialisés, est quelque chose qui reste expérimental et Ouais. qui doit pouvoir presque procéder comme un laboratoire de recherche, Ouais. un investissement sur l'avenir. Et avec certains auteurs, justement, vous êtes. Alors, les auteurs, certains, bon, au niveau des droits, ce qui est déjà la base, c'est-à-dire les droits contractuels permettant ou non à un éditeur traditionnel de décliner ensuite le numérique, certains auteurs sont extrêmement méfiants et préfèrent ne pas s'en occuper, ils ne Ouais. posent même pas la question. D'autres, dans l'attente, préfèrent réserver leurs droits, ils se Ouais. gardent pour eux les droits numériques. À charge pour nous de leur expliquer que quand ils gardent leurs droits numériques, ils ne gardent que la matière brute, que leur histoire brute, sans la valeur ajoutée qui est apportée l'éditeur en termes de réécriture, en Ouais. termes de mise en page, en termes de correction, et que finalement un auteur qui garde ses droits numériques ne garde quelque chose qui, en l'état, Ouais. Mais n'est sur les pas aspects exploitable. Et de ensuite, alors créativité sur de l'aspect créativité, nous sommes déjà confrontés à je dirais des personnalités qui ont pris effectivement la mesure de ce que cette nouvelle technologie permettra et qui nous sollicitent pour faire des objets qui sont au multimédia. D'accord. Mais économiquement, dans la Ouais. façon dont nous sommes à ce jour structurés, bien nombre d'éditeurs traditionnels, je pense, ne sont pas encore en mesure d'y répondre pour des Ouais. raisons techniques, mettre se mettre à jour avec ces nouvelles technologies à un coût lourd pour les éditeurs. Alors les très grands groupes ont pu l'anticiper, le faire et en faire profiter à leurs filiales. Les structures plus moyennes ou plus petites ont eu une certaine prudence pour ne pas faire des investissements erronés, pour ne pas faire de bêtises tout simplement. Mais effectivement, certains auteurs commencent à avoir compris que le numérique et donc le multimédia étaient la possibilité d'un nouveau type d'édition. Je pense que nous allons voir émerger un nouveau métier d'éditeur. Ouais. Éditeur numérique, véritablement, ce sera un métier à part entière au sein Ouais. de notre D'accord. profession. Mais ce sera des gens, à votre avis, qui étofferont les équipes ou qui seront parallèles à des structures en place? Ce sont des gens qui seront éditeurs à part entière, qui travailleront forcément en articulation, en adéquation, en communication avec, on va dire, l'édition papier, sans doute, parce que certains auteurs pourront avoir des velléités, des envies de projets pas bien particuliers, tout en continuant à écrire des histoires de façon plus traditionnelle. Je crois qu'il y aura toujours, de toute façon, nécessité d'échanges, mais Ouais. Ouais. des projets devront exister de façon Ouais. autonome, à part entière, me Ouais. semble-t-il.